Hello, je t'ai beaucoup parlé des personnes riches, des personnes pauvres. Aujourd'hui, je vais te parler de richesse. On va élargir un petit peu. J'aurais pu te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses sur plein de plans différents avec d'autres angles de vision. Parce que cette notion, en fait, cette question de la richesse et de ce avec quoi je me nourris, avec quoi nous nous nourrissons, pour moi est quelque chose de très important et c'était essentiel pour moi de pouvoir te partager cet élargissement de vision, de conscience, de tout ce qui peut nous rendre riches. Depuis quelque temps, j'ai recommencé à rencontrer des professionnels, à aller en entreprise, à revoir aussi les anciens de mon école. Et en participant à des groupes de travail d'entrepreneurs, ça m'a permis de voir que la plupart du temps, ce qui était au centre des discussions, c'était malheureusement le chiffre d'affaires, le bénéfice, l'argent qui rentre et toute cette question de richesse financière. Et je trouve ça extrêmement limitatif et il me tient vraiment à cœur de pouvoir amener un regard différent sur ce que peut être la richesse et sur ce que l'entreprise peut amener à l'intérieur d'elle et autour d'elle. De pouvoir amener aussi d'autres manières de percevoir qu'est-ce que c'est que le succès et la réussite. Je te reparlerai de ça dans les jours qui viennent. Bon samedi, à bientôt. Bye bye. Le sujet t'intéresse, tu veux aller plus loin? Rejoins-moi en privé.